Salut tout le monde, c'est Pseudal, j'espère que vous allez bien et vous l'aurez compris. Nous sommes à l'épisode 45, le dernier niveau, chapitre de l'histoire de Batman. Parce que je vous rappelle, il y aura les 15 autres niveaux à faire du côté des vilains. Mais voilà, on y est, le dernier niveau avec Batman, le haut de la tour. Donc on a déjà ramené Kit. Et ben, je vous dirai ce sera lequel, hein, comme d'habitude. Et on est parti, on perd pas de temps, on est perd pas de temps. Là je suis content. Plus on avance, plus je me dis qu'on va le finir, hein, ce jeu de mort. Non, je fais ça parce que je leur dis, hein. J'aime terminer mes jeux à 100%, je vous fais partager, je vous montre comment je joue. Puis voilà, il n'y a pas de secret. Oui. Ah oui, faut que je me déplace. Alors, ah ben on commence. L'otage. Alors il va nous manquer 13 sur 25, 13 sur 25, ça fait 25. Il va nous manquer 12. Salut, j'en ai déjà sauvé 3 dans 2 niveaux. Ah quand même, je suis un peu déter. Alors, oui. Bon bah, ça c'est fait, donc 2-1. Oui, je sais, j'en ai déjà trouvé un, donc 2-1, ce sera le premier pour vous. Alors je vois qu'il y a des briquettes rouges à la con à ramasser. Ah non, il faut que je... Non. Je suis pas obligé de... Ouais. Alors je crois qu'il y a ces statues à la con à péter. Est-ce que ça compte? Alors, il y a des statues à la con à péter. Je vais les péter. Ah ah, 1 sur 3, voilà. Bien ce que je me disais. On récupère les briquettes. Est-ce que ce mot briquette est tout? Bah oui, non, mais je suis comme on est. Bien sûr que ce mot existe. Enfin, une briquette de lait, oui, ça existe par exemple. Mais une briquette, je veux dire une petite brique. Est-ce que ce mot existe? Pose-toi les questions avec ce pseudo. Les pompiers, c'est toi qui as les briquettes. Batou. T'as des 2 sur 3. Ultrason, t'es de 2. Je peux faire un double jump là? Non, je peux pousser ça par contre. Ah, il fallait que je remonte. Ça va activer un truc. Il va savoir quoi. Je vais le faire quand même. Donc on est à 2 mini kits, je vous le rappelle. Non, je suis une quiche. Donc 2 mini kits, un otage. Alors moi évidemment j'ai trouvé un mini kit en plus. Mais comme je vous l'ai dit, je vous l'indiquerai. Je vous indiquerai quand ce sera. Ah oui, je vais sortir Harley Quinn. Merde, parce que. Oui, au pire. Ça dérange pas si on l'affronte maintenant. Bien. Ah, en fait, elle m'a dérangé. Ah merde, j'ai pas vu la tête là derrière. Comme aussi, à l'heure où je vous parle. Mais si je sais qu'il faut pas dire cette formulation, enfin je sais pas. Quelqu'un m'avait expliqué que c'est un. Dire alors je vous parle, alors que ce sera plus l'heure que je vous parle, enfin. Bref. Bref. Mais il y a Hogwarts Legacy qui est sorti. Alors je l'ai pas pris. J'ai pas pris parce que déjà il coûte une blinde et puis mon ordi. Mon ordi, je suis pas sûr qu'il tienne le choc. Comme ça, la basique, hein, simple, la toucher, voilà, comme ça, je suis mort avec. Vous la retoucher. Je suis pas trop quiche, voilà, elle le fait. Et
Ah oui, je peux reconstruire le tour, j'allais dire. Oui, le dernier. Mais je disais, putain, faut que je finisse mes phrases, non ? Faut que j'arrête de couper les phrases, de dire autre chose et de refiner. Donc Hogwarts Legacy qui est sorti. Donc je l'ai pas pris, mais le jeu est pas mal. Je vous le dis. Il y a du boycott, au sujet des transgenres. Enfin, moi je me suis pas renseigné, hein, les gars, c'est un jeu vidéo quoi. C'est pas la vie réelle. Même si on tente de faire des jeux vidéo plus réalistes maintenant, mais bref, moi c'est pas ça le débat. C'est ça le truc, c'est que moi c'est pas ce débat là, c'est que les jeux Lego Harry Potter, c'est vrai que je les ai beaucoup aimés. Là c'est juste pour parler des jeux Lego Harry Potter. Mais les jeux Lego Harry Potter, j'ai beaucoup aimé. Alors j'avais déjà fait le. De mon côté, hein, moi, en let's play, hein. J'avais déjà fait le 1, mais en fait, je m'en souviens plus. Hein. Je m'en souviens plus, je l'avais pas terminé à 100%, c'est une certitude. Et le jeu Lego Harry Potter 2, je l'ai jamais fait. Je l'ai jamais fait. Ouais, parce qu'il y a Lego Harry Potter 1 qui reprend les films 1 à 4, et les jeux Lego Harry Potter 2 qui reprend les films 5 à 7 en deux parties. Qu'est-ce qu'il faut ? Ah d'accord. Et ben voilà. Et de 4 pour moi, mais de 3 pour vous. Alors qu'est-ce qu'il faut faire ensuite? Alors j'ai déjà récupéré les briquets. Alors suffit juste de sauter. Bah là. Là ça va être le quatrième pour vous. Voilà. Évidemment. Oh la vache, c'est justesse ce truc. Alors, qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce que ça fait ça? Ah, je crois que j'ai fait sortir un. Non. Comment je. Comme ça. Bon, bah, vous faites un double jump. Posez pas de questions. Et puis, c'est... Donc là, vous devez être à 5 et vous pouvez rentrer dans. La cathédrale, donc ouais, donc c'est forcément un guide que j'ai eu dans la cathédrale pour savoir où, comment, qui que quoi de où. Mais pour revenir à ce que je dis, les Lego Harry Potter, j'aime beaucoup. Donc le 1 est vieux, le 2 évidemment est sorti après, mais vous savez que les reliques de la mort c'est sorti en 2011. Enfin, si je dis pas de conneries, hein, vraiment 2011, moi ça me. Ça me rajeunit pas déjà. Ah, je fais le vieux. Alors, je sais pas comment je me passe. Je fais le vieux, mais c'est vrai. C'est vrai que 2011, pour moi, je pensais que c'était plus récent que ça, mais pas du tout. J'ai plus. J'allais dire, attends, je suis con parce que j'ai touché l'échelle il y a à peine 10 secondes. On va prendre la waifu. Ah ben voilà. Alors ça fait 6 pour vous. Alors je vérifie. Donc je crois que je peux continuer. Si je rate un truc, bah. Compte à moi. Par exemple, dans mes notes, j'ai mis le suivant. On trouvera après le magnétisme de Robin. Donc, je vais me faire confiance. Hein. Faut que je monte. Il y a un moment où je vais monter avec le magnétisme de Robin. Et le mini-kit suivant sera là. Ah bah, regardez. Voilà, regardez. Juste d'y croire. Alors, bon, magnet. Ah bah voilà, bah oui, voilà. On va tenter. Ouais, gueule d'argile, ça passe. On longe le mur. Et de 7 pour vous. Bon, ça fait 8 parce que je suis. Qui a déjà récupéré un sans faire exprès.
passera l'euro. Oh, je suis obligé vraiment de. Alors, suivant. Apparemment. Apparemment déjà comment je fais pour passer. S'il faut peut-être planer. Oui ça doit être ça parce que oui je me souviens. Je me souviens comme un débile. J'ai pas trouvé. Ah, je vous dis là, j'ai. Il manque un mini kit. Alors, excusez-moi. Donc là, j'ai activé le levier. Là, c'est forcément la suite du niveau. Alors, j'ai marqué à droite. À droite, levier, juste après le 7. Ouais. Alors là j'ai activé. Là il n'y a pas de levier. J'espère que je l'ai pas raté. Et heureux. Alors désolé, j'ai eu un crash. Genre le crash des ténèbres. Parce que mon Steam m'a ouvert une fenêtre. Et en fait quand je fais un alt-tab sur mon Lego Batman, ça crash et je dois recommencer. Donc bref. Mais du coup bah, je me suis renseigné. Donc en fait, imaginez vous êtes à 7 mini-kits, donc normalement vous étiez à 7. Je cherchais le 8ème sur mes notes et en fait il est là. C'est vous coller. Alors si j'ai pas de conneries, ouais, c'est vous coller cet alcool. Et vous avez le 8ème mini-kit. Donc moi je l'ai, c'était le mini-kit que j'avais récupéré durant le mode joli. Durant le mode histoire. Qu'est-ce que je raconte? Allez, Steam, j'espère que je vais pas avoir un crash de la sucette entre les doigts. Donc normalement, voilà, je vous le dis, je vous le spoil, les deux derniers mini-kits sont à la salle. Ah oui, non, mais ça c'était pour faire passer mon pote. Qu'est-ce que je raconte, moi, qu'est-ce que je fais? À faire avec l'orgue. La question c'est quoi? Ah, le pousser pardi. Pousse l'orgue. Fou. C'est branché et je suppose que j'ai. Alors. Parquet. Moi bon, j'allais dire parquet de conscience, je veux juste les pièces. Et bah voilà. Il n'y a pas de musique sur l'orgue, c'est normal. C'est normal, le jeu. Bon, on a la brique rouge, on se plaint pas. Alors là, on prend le robot magnétisme. Juste pour être sûr de pas se foirer. Je vais trouver le moyen de me foirer. Bon, voilà, non, mais c'était un petit crabe. Ça va, j'ai refait le niveau de death. J'ai bien que normalement j'ai pas raté une mini kit. Ça serait très très con. Non mais je sais pas pourquoi il me part en sucette. Et on affronte le boss. Voilà. Alors ah bah voilà, j'allais dire pourquoi il ne le prend pas. Alors attendez, il y a plein de choses à faire, on va les faire. Ah on affronte pas l'hélico aussi dans ce niveau. Ah je crois bien. Bon, vous pouvez monter là. Donc avant que j'affronte l'hélico et tout le tintouin, voilà, je crois que bon bah vous l'aurez compris. Dernier mini kit se trouve là. Et voilà.
Voilà. Voilà, hormis le petit crash. Écoutez, voilà. Là, je dis rien, mais je suis excité parce que on a tout. On a tout de l'histoire de Batman. Et ça, mes cons. Non, mes cons, il faut vous appeler mes cons quand même. Mes chers amis, mes chers compatriotes. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Ça veut dire que on approche grandement de la fin de ce jeu. Faut que je monte. Ah bah j'ai poussé Batman, ça me prendra. Ouais, sur mon chemin. Ah d'accord, c'est pour m'aider à monter. Je t'attends. Et voilà. Et on affronte le boss. Hélicoptère du Joker. Ah oui, c'est vrai que moi je speedrun. Je disais j'avais speedrun. Faut construire ça. Ah oui, faut construire ça, il faut péter. S'il va péter le canon, je me rappelle même. Ouais, vas-y, reviens. Prends ta part, prends ta part. Ah, je peux plus. Ouais, faut utiliser l'autre canon. Tranquille, tranquille, je me précipite pas. J'espère juste que je vais pas avoir le crash. Le crash salvateur. Otage qu'on a eu au début du niveau. Non, mais ouais. Voilà, là t'es obligé de descendre. De descendre, pardon. Ah, il faut swap. Ça va, c'est le combat de boss le plus simple du monde. Là t'es invincible, je m'en fous. Je te tape, mon gars, c'est fini. Voilà, là, tu me serres la main. Allez mon con, laisse-moi terminer mon épisode. Et boum! Et voilà. Alors je vais pas couper tout de suite évidemment parce que j'ai beaucoup de détecteurs de bruit pour le mec. Ça fait quoi? C'est utile pour le mode jeu du coup. On n'a pas atteint les 6 millions, donc on s'en fout, on passe. Dernier multi. Ah c'est une carte du Joker, ouais. Waouh, magnifique, magnifique, magnifique. Bientôt les 6 micros. Bah non, bah non, mais oui, bah non, là non. Mec, pourquoi c'est des bruits violettes? Parce que j'ai tout. Oh la vache. Bah 6 millions. Ah écoutez, voilà, je vais pas faire l'intro. Parce que je vais vous montrer. On a enfin terminé tout le match jeu libre avec Batou. Et du coup, pour les prochains épisodes, on va entamer les 3 chapitres avec les vilains. Du coup, 15 niveaux. Donc voilà, je vais vous montrer la Soule du Sphinx, chapitre 1. Tout terminé. Chapitre 2. Le pingouin fou de puissance. Tout terminé. Et enfin, chapitre 3. Le retour du Joker. Tout terminé. Et ben voilà, chers amis. Alors, c'est pas la fin du Let's Play, hein, je le redis. Bah, le côté des vilains à faire. Mais voilà. Première moitié du mode jeu libre de fête. On va entamer la suivante. Et puis bah. Et après on aura fini. Alors je vous dis, on va faire des petites vidéos bonus, tout ça. Mais voilà. Donc écoutez. Merci. Merci d'être là. Likez, partagez, abonnez-vous, commentez, faites ce que vous voulez. Donc c'est en bonne et due forme dans la bonne humeur. Voilà, je suis content. On a terminé ça.
Donc écoutez, je vais la faire courte hein, quand même. Tiens, elle ferait le temps plus tard. Donc on se retrouve pour le prochain épisode, qui sera l'épisode 46. Du côté des vilains. Donc on va refaire l'histoire évidemment, mais... Enfin l'histoire. Du côté des vilains, le mode Johnny. Écoutez, voilà, donc d'ici là, portez-vous bien. C'était Pseudal, je suis très content qu'on ait terminé cette première partie. Et je vous dis à la prochaine. Salut, salut.